Donc God of Weapons, c'est un énième genre de Vampire Survivor, mais avec des petites idées qui sont rigolotes. À savoir qu'on va récupérer des armes et on va devoir les ranger dans l'inventaire un peu comme un genre de Tetris. Il y a un jeu d'ailleurs qui avait fait ça, je crois que c'était pas Backpack Hero. T'avais ce genre d'idée-là. Moi j'ai joué la dernière fois avec The Hunter, mais on va choisir un autre cette fois-ci. Peut-être le chevalier tout simplement. Ouais, le chevalier. Vous allez voir, c'est hyper basique. Mais ça fonctionne très bien. QWERTY. QWERTY, c'est bon. Donc c'est du low poly. Du bon petit low poly des familles, comme on les aime. Est-ce que le son est bien? Ah bah de toute façon, je peux pas accéder aux options. Il a intérêt à être bien. Et vous allez voir que c'est assez simple. Donc on a une hache derrière nous. Et donc pour le moment, la seule attaque qu'on a, c'est la hache. Et au fur et à mesure, d'autres armes arriveront et nous devons les placer dans notre inventaire. Ah, c'est chiant par contre, parce que lui, il attaque au corps à corps. Ah bah oui, forcément. Et du coup, il n'y a aucune portée. Vous allez voir après comment ça se passe quand on veut placer les armes. Ah oui, du coup, là je fais rien. J'oriente quand même un petit peu avec la souris. Et si j'oriente à gauche, il attaque pas. Même que j'oriente un peu vers les ennemis. Voilà. Premier niveau réussi. Voilà, donc ça, c'est l'inventaire. Et donc, on a une hache qui se trouve ici. Et il faut à chaque fois, on débloque des petits blocs d'espace. Alors, parfois, on en débloque 2, parfois, on en débloque 4. Et il faut comme ça obtenir des nouvelles armes. Ah, il y a des trucs rigolos, là. Par contre, j'ai assez d'argent ou pas? Déjà, de choisir un espace. Alors, je vais mettre quoi? Je vais mettre ça. Et ça. Et lui, je vais le rotationner. Je vais le mettre comme ça. Là, on a 40 lingots. Et on peut prendre quoi? Ah, merde, je peux pas prendre ça. C'est trop... Si. Attendez, y a moyen. Ah, merde, je crois qu'il n'y a pas moyen. Si, il y a moyen. Oh, je crois que c'est pile poil. C'est pile poil la place de mon inventaire. Il y a ça aussi qu'on pourrait prendre. Mais ça fait quoi, ça? Pole arm, life stealing. Et là, du coup, ça se met comme ça. Oh yeah! Et je crois que je peux rien prendre d'autre. Ouais, quand on met sa souris sur un élément, il nous dit combien de place ça prend. Et voilà, donc tout le jeu, c'est ça. On alterne les phases d'obtention d'armes pour les placer au bon endroit. Je sais plus combien j'ai fait de niveau la dernière fois en off. Mais je suis allé quand même assez loin. Mais ce qui est cool, c'est que du coup avec le guerrier, c'est un petit peu différent, quoi. C'est vraiment au corps à corps là. Je sais pas si ça va être plus facile d'ailleurs. C'est une démo. Qu'à voir ce que le jeu final sera. Sera-t-il différent? Pour le moment, c'est facile. Il y a des petits tourneaux aussi qui peuvent exploser et il y en a d'autres qui nous donnent de l'or et d'autres encore qui donnent d'autres trucs, mais je sais pas ce que. Je me demande si c'est pas des bonus d'argent ou alors des bonus pour là. Je sais pas très bien. Je ne sais pas très bien. Ce que je sais en revanche, c'est que nous avons de la place à libérer. Là. Et là. Et est-ce que je peux mettre des choses là-dedans du coup? Non, je crois que j'ai pas la place. Ah, j'ai peut-être lui. Ah, oh, j'ai pas la place, merde. Je n'aurai pas le temps. Pas le temps. Ah, je peux rien. Ah oui, je peux rien faire là. Y a pas moyen de. J'ai mal configuré mon truc. Je pourrais mettre une potion sinon. Si je mets une potion, ça me donnera juste la régénération de vie. Ah, mais ça m'enlève 2% de dégâts par contre. C'est un petit peu gênant. J'aime pas trop ce genre de truc. Bon, bah, on va devoir se débrouiller sans. Ou alors. Attendez, small axe. Ça, c'est small axe. C'est du 10, 10% au 12. Ah oui, là, c'est un peu plus, mais c'est plus gros. Du coup, je peux pas la mettre. Ah, quoique. Ah, si, je pourrais la mettre. % d'attaque speed for each adjacent axe. Ah oui, du coup, il y a un truc aussi, ça, il y a des bonus si tu mets les armes à côté d'autres armes. Ouais, il y a plein de... Il y a des...
Il y a des combinaisons, des genres de synergies à faire. Mais pour le moment, je peux rien faire. Bon, on va continuer. Là, ça va. Là, c'est cool. Hein. C'est cool pour moi. C'est cool. Aïe, 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 aïe. Essaye de pas trop se rapprocher des ennemis. Voilà. Tout va bien. Il faut quand même bien diriger le tir, hein, parce que si tu le diriges pas bien, parfois il attaque pas, quoi. Il sait pas qu'il a des ennemis devant lui, faut lui expliquer la vie à ce brave chevalier. Ok. Donc là. Là, on a 4 places à libérer. Ah mais attendez, je peux peut-être le mettre comme ça. Ah, le jeu est sympa, là il me propose des trucs parce que là du coup je vais pouvoir la tourner, je vais la mettre comme ça là-bas. Ah, très bien, et je vais mettre ça ici. Et donc ça en principe maintenant si je fais ça, voilà, ça me fait plein de place maintenant. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir en rajouter comme arme? Ah c'est quoi ça? Des griffes. Un marteau. Ah ça le marteau c'est à distance ça par contre. Spyglass. Ah, je peux attaquer plus loin. Je me tâte. Ça, c'est 4 blocs. Et ça, c'est. Ouais. Je me demande si je vais pas faire un truc. Si je crois que je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça. Tac. Et ça. Hop, voilà. Ça va nous rajouter 2 armes. Non, au dos du chevalier. Et au bout d'un moment, c'est le bordel, quoi. Au bout d'un moment, t'as 40 épées dans ton dos. Oh yeah! Ce qui influence sur les cadences d'attaque, ce qui influence sur tout. Et tu fais que ça, hein. Tu fais que te déplacer, orienter le tir, pour que tes armes sachent qu'il faut attaquer. Tout se fait pas forcément automatiquement, enfin l'attaque se fait automatiquement mais il faut quand même viser. Sinon elle ne se fait pas. Ok. C'est un jeu d'enfant pour le moment, c'est vraiment une partie de plaisir. Alors. Comme ça. C'est du Vampire Survivor, hein. En fait, franchement, c'est. Mais bon, il y a le petit truc comme ça du rangement d'armes qui rajoute un petit peu un truc original. Tu dis, bon, ça va, j'ai l'impression de jouer quand même à autre chose. T'en as vraiment, t'en as de toutes les sortes, mais t'en as vraiment des feignants. Hein. T'as des Vampire Survivor-like où ils sont pas fait chier, quoi. Melee Power. Ah merde, Ah merde, ça enlève du vol de vie. Vol de vie, c'est trop bien, je vais quand même pas me l'enlever. J'ai combien de vols de vie avec lui? J'ai 10%. Voilà, c'est un petit plus. C'est un petit plus. Bon. Est-ce que ça capte, ça passe, ça casse 3 pattes à un canard? Je ne sais pas, mais. C'est quoi ça? 10 range. Ah, mais je peux pas le placer. Si, je dois pouvoir le placer. Attendez, si je fais ça. Ah, merde. Le mets là. Ah, merde. Ah merde. Ouais, je peux rien faire d'autre, je crois là. Je peux le mettre comme ça ou comme ça. Merci aux Russes pour le raid. Que faisiez-vous? Est-ce que vous étiez dans le bayou par hasard? Je pense que vous étiez dans le bayou. Ou alors je ne sais pas. Hello, hello. En même temps, le bayou, c'est le dimanche, mais pourquoi pas le samedi aussi? Pourquoi est-ce qu'il serait. Pourquoi serait-il interdit de faire ça un samedi? Pas tout. Ah, mais je peux pas, c'est chiant. Bah, je peux rien prendre là. Ou alors, au pire, je prends une autre hache. Mais c'est la même. Je la remplace par. Non, ça change rien, c'est la même. Celle-là, par exemple, mais le problème, c'est qu'elle prend une case de plus.
Et du coup, je crois que je peux pas parce que si je fais. Ah, si, je pourrais peut-être. Ah, si, 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 ça vaudrait peut-être le coup. Alors attendez, j'ai fait un truc, je vends ça, je prends ça à la place et je mets ça comme ça. Voilà, ça nous fait une meilleure hache. C'est toujours quand je peux. Très bien. C'est parti. Voilà, la zone du coup, la zone grandit à chaque fois. Merde, merde, merde. Bah, la vie part vite, hein. Dès que tu te prends une baffe. Je sais pas ce que c'est là que j'ai pris. Ça m'a fait un level up, mais. Je sais pas très bien ce que ça fait les level up en fait. Qu'est-ce que ça change au final? Youhou! Ok, on a 6 espaces. Ah ouais, non, je me demande si c'est pas ça, parce que là, 6 espaces. Ah, il faut vraiment que je les pète tous les tonneaux. Ça nous donne vraiment plein de trucs. J'ai encore 2 espaces à prendre. Celui-là. Si je prends ici, ça ferait un truc de deux ici, je pourrais mettre des choses, mais. Ah, je pourrais mettre la potion par exemple. Et en même temps, je me tâte. J'aurais peut-être pas dû en prendre par là. Bon allez. Ça vaudra le coup. Ça. Ah, quoique, j'aurais bien pu le mettre comme ça. Non. Rien, c'est trop. Elle est trop longue. Elle est trop longue. J'aime ça comme ça. Qu'est-ce que je peux rajouter? On a du vol de vie. On a un petit vol de vie là. Ah mais c'est attendez. C'est la même mais en mieux. Est-ce que je peux pas carrément me la mettre? Attendez, c'est combien? C'est 4, 5. Là c'est 5 aussi. Ah, mais j'ai pas la place. Je n'aurai pas la place. Pas la place. Ah non, ça c'est compliqué là. Elle est trop grande cette hache. Ah merde. Je crois que j'ai mal mis mes cases aussi. J'aurais pu mieux faire. Bon, au pire, je vais vendre celle-là et puis je vais prendre l'autre à la place tout simplement. J'aurais bien aimé en prendre deux, mais. Et du coup, là, il dit que j'ai un bonus de 2 si je la colle à une autre pole arm. Mais une pole arm, je sais pas si j'en ai d'autres. Ah bah non, j'avais justement la même que je viens de vendre, mais. J'ai ça sinon. Ah bah si, ça c'est bien ça. Voilà, hop, comme ça les deux font du vol de vie et du coup il y a une synergie. Yes. Ah merde, non. Attends, lifesteal plus 15% si if not placed near any other lifesteal. Ah oh, putain, il faut pas qu'il soit passé à côté. Merde, putain. Un jour je lirai ce qui est écrit. J'ai fait exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire. Oh non. C'est scandaleux. C'est scandaleux, monsieur. C'est scandaleux. Oh non, attendez. Je suis sûr qu'on peut trouver un moyen. Si je fais put outside, si je fais ça, que je fais ça, que je fais. Non, ça veut pas. Hein. Ah merde. Mais quel dommage! Mais quel dommage! Mais quel dommage! Là, je peux pas la mettre. Je peux plus mettre ma. C'est dingue.
J'ai plus la place pour la mettre. Comment j'ai fait mon histoire? Comment j'ai fait mon histoire? Attendez, si. S'il y a moyen. Si. Non. Ah non. Ah non, c'est dans l'autre sens. Merde. Attendez. Comment je vais faire? Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Je fais. Ah merde, je pourrais pas. Ah si, 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 je fais ça. Je fais ça. Et je fais ça. Yes! Ça y est, c'est bon. Ah là, c'est bon. Et donc là, en théorie, j'ai le bonus. Je sais plus comment on sait si le bonus est activé ou pas. Ils le disent pas d'ailleurs. Mais là, il le dit en tout cas que si le Nir, il est pas à côté. Il est pas Nir. Il est pas Nir. Il est pas Nir. C'est bon, il est pas Nir. C'est bon, ça va le faire. Il est pas Nir. Et là, est-ce que je peux rajouter autre chose? Non, mais je peux rajouter une petite potion. Ah, par contre, dans la potion, ça enlève des dégâts. Ouais, non, là, je vais rien prendre. Allez. Je récupère de la vie là. Ma vie, la vie, la vie. Pourquoi je récupère pas de vie? 54, 62. 55. Ah oui, c'est tous les. C'est un peu laborieux de récupérer de la vie quand même. Ouais, ok, on récupère. Au final, on récupère. Oui, je suis dans mon époque Vampire Survivor like en ce moment. T'as un côté assez addictif, mais il y a tellement d'idées parfois que. Enfin, tellement d'idées. Il suffit juste d'une petite idée pour rebalancer la machine, redémarrer la machine. Et c'est important de savoir faire une machine. Même si on s'en lave les mains, je pense que c'est important. C'est très important. Move speed. Ah ouais, alors ça va être chiant à placer ça. C'est du Tetris. Ah merde, je l'ai mal placé. Je l'ai mal placé. Comment je peux faire? Oh, je me suis embêté pour rien. En fait, j'aurais pas du tout j'aurais pas dû le configurer comme ça. Je peux plus du tout les mettre comme je veux les armes maintenant. Ou alors, attendez. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça, je fais ça. Je fais ça. Non, 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 je fais ça. Je fais ça. Je peux pas faire ça différemment. Je suis obligé de le mettre comme ça. Et là, du coup, j'ai des places bizarrement là, mais j'ai des places. Ah, c'est que des places de deux, merde. Et merde. Je peux rien mettre là. Oh là là, cette perte d'espace est scandaleuse. Ou alors j'aurais dû faire ça autrement. J'aurais sans doute pu faire ça autrement, mais. Si lui. Attendez. Lui, je l'enlève. Lui, je le mets comme ça plutôt. Comme ça. Ah merde. Je vais tester un truc parce que. Merde. 15%. Ah oui, si, le 15%, il est là. Et du coup, si je mets. Merde. Si je le mets. Ça, je l'enlève. Voilà. 15%. Et si je le mets là. Ah, j'ai plus 15%, d'accord. Ok, ça me rassure. Je suis pas complètement gogol. Oh.
Ah, mais la place que ça prend, ce truc. Mais là, j'ai un peu de place, là. Là, j'ai un peu de place, là, et ça veut pas... Ça veut... Ah, si, si, ça veut pas... Ah, si, 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 c'est bon. Oui, ça y est, j'ai trouvé. Je vais pouvoir mettre un marteau. Quoi? Oh non, c'est dans l'autre sens. Ah, il faudrait que le bloc il soit par là. Merde, merde, merde. Ah, le Tetris. Ah non. Ah, je peux pas. Du coup, j'ai libéré de la place pour rien. Super! Ah, j'ai libéré de la place pour rien. Spyglass, remarque, ça pourrait être pas mal, ça pourrait avoir plus de portée. Allez. Un peu de portée, voilà. C'est pas mal. Surtout pour les armes corps à corps. Ça attaque pas forcément très loin. Allez! Allez, allez! Oh putain, 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 oh putain. Oh là, je suis en train de prendre cher là, attention. Oh là là. Ah oui, j'étais vraiment pas. J'étais pas bien là. J'étais pas bien du tout. Ici, ici. Ici. Et ici. Si je fais ça. Tac. Je fais ça. Voilà, ça me permet d'économiser encore un peu de place par là. Qu'est-ce que je peux mettre? Ça, c'est quoi, ça, du coup? Ah ouais, juste un truc de réduction. Un ticket de réduction que tu dois placer dans ton inventaire. L'épée, tiens. Ouh, l'épée, ça me tente bien, mais elle est longue. Ah merde, elle est giga longue. Ah, 5. Ah merde, il manque un bloc, là. Il me manque un bloc. Ah merde. Ah misère. Comment je peux faire si je fais ça? Je fais ça. Oui, oui. Oui, je le laisse, ça y est, c'est bon. Je peux mettre mon épée. Oh yeah! Voilà, j'ai eu l'épée. Et là, les deux cases restantes, je crois que je peux pas les utiliser là. Il y a ça éventuellement, mais. Je peux pas le. Ouais, ça va être compliqué. Allez, tant pis. Nouvelle arme. On commence à avoir un tout un râtelier d'armes sur le dos. Je sens un port. J'ai pas du tout les mêmes ennemis que lors de l'autre partie que j'ai fait en off avec le chasseur. C'est... Ah oui, ça devient plus galère là. Les ennemis sont rapides en plus, je peux... Ah yes, j'ai récupéré la vie. Ok. Ah merde, j'ai pas gagné de place là. Mais putain, à chaque niveau, on gagne pas forcément des places. Quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Donc là, c'est j'ai rien à rajouter. Merde. Je peux rien faire.
Est-ce qu'il y a des choses qui valent plus le coup que ce que j'ai? Ah, puis ça aussi, c'est vrai que j'ai oublié. Il faut que je pense au truc adjacent, là. Si je mets à côté d'une dague, ouais, mais là, il n'y a pas. Ah, merde, et là, du coup, j'ai plus mon bonus, en plus. Ah, j'ai plus mon bonus de vie volée. Merde. Ah, c'est compliqué. Attendez. Je mets ça comme ça. Ah non, merde, j'ai plus la place pour l'autre. Je peux plus le mettre. Je peux plus le mettre. Ah, dans les Yanel. Là, j'ai besoin de 4 places. Enfin, de 4, 5, 6. Un carré et un bâton de 2. Oh merde. Merde, je sais plus comment j'ai fait à la base pour les positionner ces trucs-là. Il faut que je les recolle. Faut que je les recolle. Faut que je les recolle, faut que je les recolle. Donc c'était merde. C'était comme ça. Comme ça. Que... Ça. Comme... Ah merde. Non. Non, c'est pas ça. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Ah, c'est ça qui était là, je crois. C'est la deck qui était là-bas. Ça, c'était là. Et ça, c'était là. Ah, c'est ça. Là, c'est quoi? C'est du 4. Ça, c'est du 5. Ouais, mais c'est ça, en fait. C'est pour ça que je galère, là. Il y a plein d'armes que je n'utilise pas les combinaisons comme il faut, là. J'ai pas d'autre hache. En plus, c'est pareil. Cette hache-là, en fait, j'aurais pas dû la prendre. J'aurais dû prendre une épée, plutôt. À la limite, est-ce que ce serait pas plus utile de mettre adjacent armor plus 2 armure? Ah merde. Ça c'est quoi ça? Ah mais ça marche en vrai. 13, 9, 11, attaque speed. DPS. Je me tâte. Je vais faire un truc, je vais vendre ça. Je vais mettre ça à la place. Ça fait un bonus de dégâts avec les épées. Mais peut-être que si je fais ça, ça. Ah, attendez, si c'est bon. Voilà, je fais ça comme ça. Voilà, là déjà, je récupère mon bonus de vampirisme. Et tout de suite, on se sent mieux là. Voilà. Voilà, j'ai ma dague là. Et voilà, et là, j'ai même récupéré encore un peu de place. Et en limite, j'ai pas la place, mais. Bon. Essayons de faire. Qu'est-ce que je peux avoir comme autre bonus intéressant? Avec la pole arm. Ça, c'est une pole arm. Ok. Je sais pas si on va aller, on va rester très très longtemps. Je vais en refaire une après. C'est pas mal quand même. Je choisirai la dernière classe que j'ai pas encore testée. Ah, j'ai l'impression que c'est mieux là. On attaque plus vite. Hop 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 hop.
Hop, 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 hop. Ok. Alors, on a quatre espaces. Tout va bien se passer. Comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Une ceinture. Une ceinture. C'est pas terrible tout ça. C'est pas terrible, pas terrible. Allez, on va Worlds. Alors, ouh, ça c'est bien ça. Ah oui. Par contre, ce qui est embêtant, c'est le. Y a, attendez, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire ça? Ah merde, non, lui, du coup, faut pas que je le. Ah non, il n'y a pas moyen. Ah oh, dommage. Sinon, je remplace simplement celle que j'ai par celle-là. Ah merde. J'aurais bien aimé en avoir trois là. Ça aurait été classe. 1613. Lifesteal 10 et là Lifesteal 10. Et finalement, c'est quoi l'avantage de celle-là? Attendez, elle attaque moins vite? C'est quoi l'avantage? Alors, le dégât? Ouais, 3 dégâts de plus. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Je me demande si on va pas en fait enlever le Sickle. Sickle, je trouve que c'est un petit peu moisi. C'est moisi. C'est que ça, oh, oui, ça augmente quand même le. Ça augmente le vol de vie. Enfin bon. Je suis moyennement convaincu là de remplacer ça par ça, alors que c'est juste 3 dégâts. Oh, allez, je le fais. Mais ça rentre le petit pivote le deux fois. De quoi? Pourquoi tu veux que je pivote le petit deux fois? Ah non, mais non, la question c'est pas de savoir si ça rentre. Hein. La question c'est si ça rentre sans que ces deux-là se touchent. Enfin, surtout que celui-là, il faut pas qu'il touche celle-là, ni celle-là, ni celle que j'ai rajoutée avant. Il faut pas que ça touche les armes vampiriques. À mon avis, c'est pas possible. Hein. Ah ouais, non, mais. Non, non, non. Je vais vendre celle-là et je vais mettre ça à la place. Ouais. Non, 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 non. Ah bah non, bah non. Bah non, non, non. Un peu d'armure, sinon. L'armure, c'est bien. En même temps, l'armure, c'est bien. J'ai pas une arme qui voulait l'armure à côté d'elle. Ah, j'ai celle-là. Où je mets ça et je mets ça à côté. Et comme ça, si je mets ça, du coup, ça rajoute un bonus d'armure. Enfin, il me semble. Ah non, je l'ai pas mis à côté. Et là, je l'ai. Non, attendez. Là, je le mets comme ça. Et du coup, ça rajoute deux armures. Est-ce que c'est bien ça? Attendez. Armure, je suis à 7. Et là, je suis à 5. Ah, c'est ça. Et Jérémy! Jérémy les frites! Comment ça va-t-il? J'arrive trop tard, il a l'air cool. Ouais, il est pas mal. Bon, après, c'est un Vampire Survivor-like avec une petite mécanique rigolote. Ça va pas très loin, mais bon, ça fait quand même. Ça me fait perdre du temps sur ça, là. Ça me fait pas mal perdre de temps. L'addiction est là, quand même. Mais pour un truc un peu nouveau, ça fait plaisir. Ça fait quoi si ça touche? Bah, ça enlève 15% de vampirisme en plus. Lifesteal. 15% si ça ne touche pas une autre arme de lifesteal. 15% de vol de vie en plus, c'est quand même sympa. C'est quand même sympa, quoi.
Non, mais bon, voilà, à un moment donné, voilà, à un moment donné, voilà, à un moment donné, à un moment donné, voilà. Moi, je pense qu'à un moment donné, voilà. Allez, à bientôt, Russe, et merci pour le raid. Yahoo! Donc, c'est vraiment du Vampire Survivor. Hein. On le dit pas assez, mais. Vampire Survivor un jour, Vampire Survivor toujours. Mais ces petites mécaniques rend le jeu assez assez original. Je dis qu'à chaque fois, tu vas essayer d'optimiser le placement de tes armes de manière à pouvoir en avoir un peu plus. Et que toutes ces armes-là sont représentées dans Vodou, c'est rigolo. Il faudrait d'autres idées encore. Vite, 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 vite. Ah, mais ça, c'était une armure que j'ai chopée. Une armure, encore une armure. Ok. D'accord, quand je suis doré, je suis en armure. Et je sais pas si tous ces petits trucs-là disparaissent au bout d'un moment. Je sais pas si les petits. Les lingots qui tombent par terre, là, ils disparaissent. Est-ce qu'on les récupère tous à la fin, mais. Est-ce qu'on les récupère vraiment tous? On récupère tous ceux qui sont encore là, mais est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui ont disparu entre-temps? Il faut peut-être run et hit et pas réfléchir les choix après. Ouais. Ouais, peut-être. On va survivre avec un stuff et un sac qu'il faut gérer. Ouais, je trouve que c'est bien. Il y a un jeu comme ça auquel j'ai pas joué, mais il y avait cette idée-là de l'inventaire. J'ai l'impression que ça commence à venir un peu dans plein plein d'autres jeux. C'est Backpack Hero, je crois. Voilà. Quand on parle du loup. Salut Azou! Pourquoi mon téléphone se met à sonner dans tous les coins? Tous les coins. Je n'ai pas joué, mais je l'ai vu jouer par Azou ici présent, que je salue. Salut! Salut! Et voilà. Je pense que là, c'est clairement. C'est clairement repompé, si ce n'est. Mais c'est pompé, mais ça va. Je trouve que ça va. C'est intelligemment. Parce que c'est un mélange de genres. Donc je trouve que c'est pas mal. Alors attendez, il faut que je rajoute une case à un endroit. Peut-être là. Ah non, c'est con ce que j'ai fait, j'aurais pas dû faire ça. Ah, c'est complètement con. Ah non, parce que l'armure, du coup, je la mets là. On remarque, non. Je la pousserai un peu plus haute et puis c'est pas grave. Et là, je vais rajouter une case par là. Par là. Ça, je vais mettre comme ça. Ça, je vais mettre comme ça. Lui, il veut avoir une épée à côté de lui. Lui, il veut avoir une armure à côté de lui. Ah, cette petite mécanique, mine de rien, je trouve que c'est rigolo. Ça te fait passer du temps sur cet écran-là, du coup. Mais. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on peut avoir? J'ai rien comme arme, là, j'ai ça. Et ça, c'est pareil, ça va être encore la même merde. Est-ce qu'il faut que je. Ah, quoique, attendez. Ah, bah si, c'est bon. Je la mets là et ça augmente encore mon vampirisme. Oh non! Connerie, connerie, connerie. Parce que si je la mets là, elle est à côté d'une autre arme de vampirisme et. Oh, quel enfer! Attendez. Oh, ça va être chiant. Oh, je sens que je suis en train de me prendre la tête là. Attendez. Ah, si, c'est. Non, non, c'est pas bon. Parce que je la mets là, ça va toucher. Ah, merde. Oh, merde. Attendez. Tac. Tac. Non. Merde. Ah, j'étais sûr, mais non. Bien sûr, personne n'a entendu parler de ce jeu, et là, t'as tous les gros qui vont aller dessus en disant, c'est nous qui avons trouvé. Peut-être, mais peut-être. Mais après, je sais pas s'il y a beaucoup de monde encore qui y joue à celui-là. C'est une toute petite démo. Le jeu, d'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Si je faisais bien mon boulot, attendez que je vous dise ça. Attendez. Non, God of Weapons. Est-ce qu'ils ont une date d'ailleurs? Je sais même pas sûr. Ah merde, God of Weapons en QWERTY, ça fait God of. Et c'est un peu imprononçable. Il y a une date de sortie et c'est juillet 2023. Ok.
Alors attendez. Réfléchissons. Réfléchis. Réfléchissons. Si je fais ça, que je fais ça. Merde. Que je fais ça. Merde. Oh, c'est pas vrai. J'ai pas la place. Oh, quel enfer. Hey, quel enfer. Quel enfer. Merde. Si je fais ça plutôt comme ça. Comme ça. Ah non, il n'y a pas la place. Ah là là, il n'y a nulle part la place en fait. Le 5, là, la ligne de 5, j'en ai vraiment très peu des lignes de 5. Si je fais ça ici. Ça comme ça. Ça comme ça. Ça comme ça. Je suis sûr qu'on va trouver moyen. Là, c'est comme ça. Et là, du coup, j'ai moyen. Voilà. Bon, c'est un peu n'importe quoi, mais. Si, c'est bon. Les deux se touchent pas. Et là, je peux en mettre une là-haut. Et ça va encore augmenter mon vampirisme. Et du coup, là, l'épée, elle touche l'armure. C'est bon. Là, l'épée touche l'autre épée. Et du coup, lui, je le mets là. Et voilà. Et voilà. Et puis, c'est incroyable. Voilà. Voilà. Et là, j'ai combien de vampirisme maintenant? J'en ai 25%. J'ai combien en tout? Non, j'ai pas 25%, j'ai encore plus que ça. Mais... Lifesteal 2. 25%. 25% plus 15. Ah, c'est pas mal. C'est plutôt honnête. Et la griffe. Ah merde, il faut que je passe la griffe. Ah, j'avais complètement oublié les détails. C'est bon. Non, c'est bon. J'ai eu peur. C'est bon, c'est tout fait. Voilà, regardez, c'est un jeu d'enfant. J'ai même des places libres encore, mais je crois que je vais pas les utiliser. De toute façon, j'ai pas de. Ouais, non. Non, allez, c'est bon. Ah, c'est laborieux. Hein. C'est laborieux. Alors, merde, QWERTY, QWERTY, QWERTY. On devrait pas trop avoir problème de régénération de points de vie maintenant. J'essaie de choper des tonneaux là-bas. Là. Je suis sûr qu'il y a des bonus intéressants. Il y a des choses qui te rendent invulnérable. Mais c'est quoi ça? Ah, c'est quoi le fantôme là? Oh le fantôme! Oh le fantôme! Qu'est-ce que c'est? Oui, les fantômes! Je suis à 36 PV. Voilà, oh j'ai un petit peu. J'en ai un petit peu chié là. J'en ai un petit peu chié. Si je mets une case là. Ah, une case là, bah, très bien. Comme ça, je peux éloigner ça. C'est pas plus mal. Attendez, ces trois cases. Bah oui. Ah oui, mais attends. Si, si. Ah oh, non, mais je me gourre à chaque fois. Oh merde. Je pourrais pas le. Parce que le problème, les armes, c'est qu'on peut les pivoter, mais on peut pas les faire en mode miroir. Et du coup, là, je crois que je me suis arnaqué. Parce que si je le tourne, je pourrais pas le. Et merde. Et merde, et là, j'ai perdu de la place. Ah, j'ai été con. Ça, c'est le truc classique. Hein. Ah, c'est le piège à con. C'est le truc classique où tu penses que ça passe, et en fait, non, pas du tout, parce que c'est à l'envers. C'est à l'envers! Ah là 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 là. Ah le mauvais! Le mauvais, le mauvais! Bon, je vais l'écarter un tout petit peu par là. Ah le mauvais! Il est mauvais! Comment je peux faire? Ah non, j'ai pas la place. Je n'aurai pas la place. Je n'aurai pas la place. Ça enlève encore du vampirisme. Mais non, j'ai très bien mon vampirisme. Bon, je retourne dans les limbes. Mais non, mais ne va pas trop loin dans les limbes. C'est pas ouf là-bas. Hein. J'assure. J'assure. Si je mets ça là. Mets ça là. Je vais gagner de la place un peu, comme ça.
Comment je pourrais faire pour gagner telle la place? Attendez, 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 comme ça. Ah non, mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. Non, non, je peux pas faire mieux. Ou alors si je fais ça. Ah bah non, là du coup, ils seront l'une à côté de l'autre. C'est pas bon ça. J'ai l'impression que j'ai plein plein de place qui est gâchée là. Le gâchis de place, c'est scandaleux. Je mets ça ici. Regarde, si je fais ça ici, ça là. Là, je peux rien faire mieux. Hein. Je peux pas faire mieux. Les blocs sont un petit peu plus proches les uns des autres. Mais là, c'est quoi? C'est du 4. Là, c'est du 5. J'ai pas la place. J'ai pas la place. J'ai pas la place. Attendez, si je fais ça. Eh oui! Là, je fais ça. Là, je sais pas ce que je fais en fait, mais je fais. À chaque fois, je me fais avoir. Il est à l'envers. Je peux pas le tourner du bon sens. Il faut du bon sens, mais je peux pas le tourner dans le bon sens. Comment je fais? Ah, attendez. Ça, il faut une épée à côté? Ah, bah, c'est bien. C'est une épée que j'ai justement. Attendez, que je dise pas de bêtises. C'est bien celle-là, là. À côté d'une épée. Et ça, c'est à côté d'une armure. Petite épée, là. Voilà. Eh ben voilà, écoutez. Ok. Bon, bah voilà. Ça nous fait une arme en plus. Bon, on a encore plein de places qui se baladent, mais. Je crois pas que je puisse faire mieux. Ah, ce truc du vampirisme, en fait, c'est. C'est très handicapant. Et puis, ah merde, mais il faut que je place, faut que je remette ma longue vue en plus. Oh là là. Oh là là là, dans quoi je me suis mis? Oh là là, dans quoi je me suis mis? Merde, je peux le mettre. Putain, je peux le mettre nulle part. Du coup, je suis bloqué. Ah merde. Ou alors l'arme, je la laisse là et je l'utiliserai tout à l'heure. Pour ce que tu utilises, les armes, tu passes bien trop de temps en inventaire. Tu vas passer le next level, tu vas peut-être utiliser que deux. Ah non, non, non. Non, non, les armes, je les utilise toutes en fait. Ah non, les armes, on les utilise toutes hein, dans chaque partie. Merde, comment je peux faire? Faudrait que je mette ça ailleurs. Oh, comment je peux faire? Oh, le piège à con. Le piège à con. Fais ça sinon. Je fais ça. Là, ça marche encore. Elles attaquent d'elles-mêmes comme des. Ouais, c'est ça. Si je fais ça. Voilà. Et là, j'ai. Oh, putain, j'ai même eu place pour une. Ah oui, non, non. Non, que je fasse pas le con. Que je fasse pas le con. J'ai la place pour une épée, mais fais pas le con. Fais pas le con, baby. Fais pas le con, baby. Voilà, tu fais ça et tu mets ta longue vue. J'ai failli acheter une épée encore là. Je me serais tellement tiré dans les pattes. Mais remarque, est-ce que la longue vue, j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai besoin de la porter? Long sword.
12, et là c'est quand même des dégâts 6. Je me tâte. Ouais, est-ce que finalement les dagues c'est un peu surfait, vous trouvez pas? Moi je trouve que les dagues c'est un peu surfait. Allez. Je vends. Et hop là, comme ça, là on est, voilà, là on a optimisé. On a optimisé, on est plein d'épées. Allez. C'est pas mal. Je crois que c'est pas mal là. Allez, 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 on défonce tout ça, allez, on défonce tout ça, allez, 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 on défonce. Merde, il me fait quand même des dégâts, comment ça se fait qu'ils arrivent? Oh là là, il commence à être beaucoup. Je vois plus mon curseur, c'est horrible. C'est ça l'enfer de ce genre de jeu, c'est la lisibilité. La lisibilité. Ok. Alors, la lisibilité. Je vais placer mes blocs. J'en ai deux. La lisibilité. On la voit tellement plus, on a du mal à la prononcer, quoi. C'est compliqué. Non, c'est pas ici. Où est-ce que je pourrais le faire de manière intelligente? Là, en théorie, si je l'ajoute là, je peux le tourner, lui. Si je le tourne dans le sens des aiguilles du montre. Je suis pas con, là, quand même. Je crois que ça passe. Comme ça. Et là, comme ça. Voilà. Si je fais ça. Ok. Ça passe. Ah, et du coup, lui, ça aurait été bien de... Merde. Comment je peux faire ça? S'il y a moyen, il y a moyen, je suis sûr qu'il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. À moins qu'il n'y ait pas moyen. Attendez, je suis sûr qu'il y a moyen. Ah, il faudrait que celle-là, je la colle à côté de l'armure. J'avais complètement zappé ce truc-là. Je fais ça. Ah oui, ce qui est chiant dans le jeu aussi, c'est que tu peux pas les armes, tu peux pas les... Tu peux pas mettre une arme sur une autre et du coup remplacer l'arme que tu as dans ta main, etc. Ah, du coup, je peux pas les changer de place. Comment je fais là? Je fais ça. 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 Ah ben non, j'ai pas la place. Merde. Ah merde, j'ai pas la place. Ah si, attendez. Comme ça, comme ça. Non, c'est pas du tout ça. Mais non, mais c'est pas ça que je voulais faire à la base. Ah oui, c'est ça. Comme ça. Ah mais là, ça passera pas. Et puis là, il va toucher. Ah merde, bon. J'ai le vampirisme qui va toucher l'autre et il faut pas que ça le touche. Merde. Ah là là, mais quel enfer. Pourquoi je joue à ce jeu, moi? Ah mais si, c'est bon. Ça y est, je l'ai. C'est bon. Oh non, merde, il touche. Attendez. Attendez, 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 ça va. Ah merde, il y a l'autre épée qu'il faut mettre. Ça va bien se passer, ça va le faire. Je le mets là ici, comme ça. Et là, je le mets comme ça. Voilà. C'est bon. C'est un jeu d'enfant. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se prendre là? Potion allumette. Amulette. Ouh. Plus de vie, plus d'expérience, plus de ressources. Ah mais attendez, je suis en train de me dire, celle-là, c'est encore mieux si il faudrait qu'on...
Ah oui, pour chaque arme. Du coup, ah oh non, c'est con ce que j'ai fait encore une fois. C'est pas optimisé au maximum. Il faudrait que je la mette. Dès qu'elle soit entre deux épées chacune. Mais là, c'est impossible. Ah non, parce qu'il faudrait les mettre entre chacune. Et ça, du coup, je pourrais pas. Ou alors, faudrait acheter une autre épée. Faudrait acheter une autre épée. On fera ça peut-être après, tant pis. Attends, on va se prendre ça et on va se le mettre ici. Voilà. Et puis là, on a plus de place. Là, on est bien. On est bien, mon vieux, on est bien. On a optimisé l'armure. On n'a pas optimisé les dégâts au maximum, mais. Le curseur, je vous jure que j'ai l'impression qu'il est invisible en temps. C'est horrible. There is no anymore cursor. Voilà. Ah, punaise. Alors, deux places. Oh yeah! On est au 13e floor. On a le floor dans la peau. Comme on pourrait faire, comme ça. C'est tout. C'est tout? C'est tout? Oh, c'est décevant. Ouais, je peux rien faire de plus avec tout ça là. Ça suffit pas. On pourrait se rajouter ça, le dice. Pour un peu de chance. Je sais même pas ce que ça fait la chance. Il y a plein de jeux d'ailleurs comme ça. Ah, c'est le. Attendez. Parce que c'est au-dessus de resource gain et XP gain. Ouais. Je sais pas trop, j'aime pas trop rajouter des choses comme ça en sachant pas trop ce que ça fait. J'aime pas trop quand j'aime pas trop. Ça augmente la vitesse des ennemis, mais ça augmente l'expérience. On va rien prendre. Ou alors, je pourrais roll. Ouais, mais j'ai pas de place. Je n'avais pas de place. Je n'avais pas de place. Oh, j'ai rangé mon inventaire. Ouah. Oh là. Oh là là. On se vide là. Hein. Dis donc. Oh la vache. Je vais mourir, je vais crever. Non, c'est bon. Faut pas mourir, monsieur, faut pas mourir. Pour votre santé, évitez de mourir. C'est pas un bon bail. Alors, j'ai quoi là? J'ai des trucs intéressants. Oh, c'est quoi ça? On va voir. En bas à droite, je puisse mettre cette arme là très loin. Donc en théorie, là c'est bon. Voilà, là en théorie, je peux la mettre comme ça. Et dès que voilà, gagne un peu d'espace. Ah merde, il y a un bloc là qui est un peu inutile, mais bon, écoutez, voilà. Hein. À un moment donné, voilà. Tac. Merde. Ah, ça c'est super énervant qu'on puisse pas mettre les armes en mode miroir. On peut juste les pivoter. Mais tu peux pas faire un miroir.
Et Kitty Pipou. Kitty Pipou. Salut Kitty Pipou. Ça va bien? Ah, ça enlève de la vie. Je sais pas ce que c'est la vitality d'ailleurs. Est-ce que ça enlève juste de la vie ou est-ce que ça enlève de la régène? Je ne sais pas. Ça c'est quoi ça? Ah, luck. C'est pareil, le luck. À quoi ça sert? Parce que là, du coup, ça. Ah oui, je peux avoir moins 3 en luck. Comme je suis déjà à 0. Ah mais j'ai aucune esquive. J'ai moins 4 en esquive. Je sais même pas ce que ça veut dire, moins 4. C'est-à-dire que je peux me péter la gueule même. Ça veut dire quoi, moins 4 en esquive? Je peux pas m'esquiver moi-même. Je double esquive. Ça, c'est pour. Ça, c'est quoi? C'est la plus longue. Ah, c'est la 5. Il y a des épées tier 1. Peut-être que je vais simplement vendre une et remplacer par une tier 2. Ce serait peut-être mieux quand même. Ah bah attendez, on peut faire ça là, oui. Eh oui, ça me fait gagner la place encore là. Je peux pas faire mieux que ça. Là, il l'a pas en principe le bonus, je l'ai là. Ouais, c'est bon. Je viens m'engloutir une petite pizza, mais j'ai encore faim. J'avais pas mangé depuis hier soir, du coup j'ai trop la dalle. Oh là 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 là. Bon, c'est bien. L'appétit, c'est une bonne maladie, ça se résout sans problème. Et toi, tu vas bien? Bah je vais bien. Et moi, je vais bien. Des petits jeux indés. Bon, je vais remplacer celle-là. Je vais vendre ça et je vais mettre ça à la place. Voilà. Ce sera toujours mieux. Et il n'y aurait pas moyen. Ah si, je crois qu'il y a moyen, attendez. Il y a moyen là de faire un truc. Je crois qu'il y a moyen de faire un truc là. Si, il y a moyen. Je fais ça. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, tac, et je fais ça. Et là, il y a le full optimisation. Il y a l'armure avec l'armure, l'armure avec l'armure, les dégâts avec les dégâts, les dégâts avec les dégâts. Il y a des dégâts partout. Voilà, full dégâts. Ça, c'est quoi ça? Je peux peut-être en rajouter ça aussi. Petit médaillon là. Ah, c'est un tier 3, et ça c'est un tier 3 aussi. Je peux peut-être le mettre parce qu'au moins là il n'y a pas de désavantage. Allez, allez, un petit deuxième. Moi j'aime bien les médaillons, c'est sympa. C'est Pipou, c'est Chipou, c'est Choupi, c'est Chichi, c'est Sipipi, c'est Chichi, c'est Chouchou. Ok. Après la boucle est vraiment très très simple, hein. C'est pas un chef-d'œuvre, voilà, mais l'idée vraiment du maîtrise d'inventaire elle est rigolote. Encore faut-il voir après ce que va donner le jeu complet. Ça sort en fin juillet, je crois. Juillet, non, bah juillet. Non, si, c'est fin juillet, quoi. Oh pétard. Oh pétard. Oh pétard. Oh pétard. Ah, j'étais ambitieux là. Ah, j'étais trop ambitieux. Merde. Ah, je sais plus jusqu'à combien on est allé là. On était allé loin, non? Alors, est-ce que du coup il y a une progression comme les roguelikes? Un level up plus 1. On va prendre The Raven, c'est le seul que j'ai pas encore testé. Attendez. Si je quitte ça, je fais ça. Oui. Le Hunter, c'est un des plus simples, hein, il me semble. Parce que tu tires à distance et du coup tu peux t'éloigner super loin. Et tu peux toujours toucher les ennemis. Hein. Le Knight, c'est pas la même limonade hein, quand même. J'ai eu le temps d'aller raser que t'étais toujours dans l'inventaire. Ah là là là. Ah là là, mais qu'est-ce que t'en mets? Qu'est-ce que t'en as mis comme temps hein? Mais carré compris.
Alors. Donc là, on va jouer avec les dagues. Ok. Pas de panique, pas de panique. Aïe, oui. Flow cleared. Alors, qu'est-ce qu'on peut se mettre? Petit truc comme ça. Petit truc comme ça. Ah merde. Déjà, c'est. Parce que je voudrais mettre le shuriken là. Et il me semble que c'est une croix. Enfin, c'est un plus. Mais est-ce que j'aurai la place? Si j'aurai la place. Si, j'ai la place. Bon, je fais ça. Je fais ça et je fais ça. Je veux trop avoir le shuriken. Et puis voilà. Il n'y a plus la place. Alors ça fait quoi le shuriken? Ouh. Oh là là. Ah oui, ça rebondit. Ah, c'est trop bien le shuriken. Ça rebondit combien de fois? Ah oui, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Tout roule pour le moment. Tout roule, tout roule. Alors, attendez, deux places. Ouais, je me ferais juste des places comme ça, je pense. Quoique j'aurais dû les mettre autrement. Ah, j'aurais dû les mettre autrement, je suis con. Parce que là, je peux pas du tout manœuvrer mon truc. Bon, est-ce que c'était une bonne idée? Je sais pas. Ouais, bon, on verra. Je sais pas ce que c'est le puits, là aussi. Est-ce qu'il y a un intérêt à ce puits? Et puis voilà. Non, je sais pas. Il y a un truc avec ce puits là. Ah, je vais mourir. Oh là là. Ah vache. Ah oui, c'est beaucoup plus dur là. C'est beaucoup plus dur que prévu finalement. Je me demande si on va pas mourir et que je vais pas juste recommencer une partie avec le chasseur. C'était semble-t-il le plus simple. Ah, mais allez, vas-y, déplace-le. Voilà, ça fait un peu de place là, comme ça. Est-ce qu'on se rajouterait pas une hache? Ah, mais attendez, c'est quoi le bonus déjà là? Ah oui, le bonus des dagues. Et là, il y a le bonus avec les glaives. Attendez, ça c'est un glaive ou pas? Les glaives, c'est quoi? J'ai les glaives moi? Alors. C'est les autres. Ah bah, c'est les autres shurikens, d'accord. Et j'ai pas la place pour en mettre un, de toute façon. Ouais, on va vendre ça. Quoique, est-ce que je le vends? Ou est-ce que... Non, je vais peut-être tout simplement en mettre comme ça une, là. Et voilà. Et il a range. Ouais, il nous faut du range. Allez, hop. Ça y est, on commence à être plein. Oh, ah, je pense que je vais mourir dans cette partie-là. C'est marrant, je la sens pas du tout. Je la sens pas du tout. Je la sens pas du tout. Ok, je récupère la vie. Allez, viens. Ah!
Mon dieu. Tout va bien. Si je fais ça et que je fais ça. Ah merde, j'ai pas la place là. Attendez. Ah, je mets ça ici et ça comme ça plutôt. Oh, c'est quoi cette épée là? Elle est belle. Oh, elle est belle, elle est belle. Et j'ai pas la place. Putain. Ah, j'ai pas la place. Ah, elle est magnifique cette épée là. Je l'orque, ça marche, Kitty Bibou. Est-ce que je reroll un peu juste pour voir? Sans de dire. Ouais, je sais pas si j'ai bien fait de reroll, mais bon. Merde. J'ai perdu son place là. Voilà, attendez, si je fais ça, et que je fais ça, ça. Et non, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ah si, ça veut. Si, 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 attendez, 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 attendez. Tac. Tac. Non, ça veut pas. Ah merde! Non, parce que je voulais qu'il y en ait une. Ah, je voulais que ça libère un coin, enfin trois cases en coin là, mais non, ça marche pas. Non. Quand ça veut pas, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bah écoutez, tant pis, hein. Ah bah si, ça veut. Je teste une strat de portée. C'est la strat qui est à ma portée. Ok. Je trouve que ce personnage-là manque cruellement de portée. Alors, il faut de la vie là. Il vous faudrait de la vie. Il vous faudrait de la vie. Il faudrait de la vie. Ah, il y a un deuxième shuriken. Ah, il y a ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie? J'ai 10 fois trop de trucs. C'est une évidence. C'est une évidence. Je vais vérifier un truc là parce qu'il y aurait peut-être moyen de. Non. Si, si, il y aura moyen. Faut que j'enlève un Spyglass. Ah ouais, puis là, là c'est pareil, c'est pas optimisé, mais bon. On remarque, je peux pas l'optimiser à 100%. Hein. Il y en a forcément une qui sera pas. Ah, quoique si, j'aurais pu. Oh là là, c'est terrible. Si je fais ça, là elles sont toutes les trois. Elles ont tous les trois le bonus de la dague adjacente.
Ouais, je vais vendre ça, tant pis. Je vais prendre le shuriken. Et ça, c'est quoi du coup, ça? Ah, ça fait du lifesteal. Ouais, tant pis. Je veux ça, moi. Je veux ça, alors je veux ça. Les shurikens, c'est la vie. Vive les shurikens. Et là, du coup, si je fais ça. Ah merde, je peux pas. Merde, il n'y a pas moyen. Le gant de Thanos, ouais. Ça fait penser vite fait. J'ai envie de claquer des doigts, quoi. J'ai envie de supprimer 50% de l'humanité. Non, c'est fou. Mais bon. C'est puissant, quand même. Qui relativise tout. Bon, supprimer 50% de l'humanité, ouais. Mais bon, s'il y a que des cons, ça va. Hein. Ça va, on n'aime pas trop les cons. En même temps, on est un peu tous cons, alors. On risque peut-être tous d'être supprimés. C'est terrible. Oh non, mais regardez ça! Ça y est, on a trouvé la meilleure arme. C'est bon. C'est gagné. Ah, c'est fumé. Complètement fumé, c'est complètement fumé. Ah oui, c'est très très bien, ça. C'est tout ce qu'il me fallait. Complètement fumé. J'ai de la vie. Allez. Oh, attention, attention quand même. Attention quand même, attention quand même. Hop, 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 hop. Ok. Level up. Oh, level up. Oh, le level up. Ah, le shuriken, il est très très bien là. Ouf. Pas 50%, allez, 95. Ah ouais, il va plus rester grand monde là quand même. On n'aura plus de raison de se plaindre. Mais bon. Comment je fais mon histoire là? Comment je fais mon histoire? Hey Diego Vasquez Mendes, Diego Vasquez Mendes, oh, c'est sympa comme pseudo, j'aime bien. J'aime bien le prononcer. Je le prononcerai à chaque fois de la même manière. Si tu te joins à nous une autre fois. Et bienvenue à toi. Et bienvenue à toi. Il y a 3 Z. Ce qui me donnerait sommeil dans un autre contexte. Est-ce que je peux faire des choses avec ça? Non. Hein. Est-ce que je l'ai bien placé, mon truc? Je suis pas sûr. Dis-toi que les accès au serveur Day One sur les jeux seront bien plus libres. C'est une manière de voir les choses assez positivement. Effectivement, de ce point de vue-là, ça pourrait être sympa. Effectivement. Effectivement, effectivement, bon. Critical change. Ah, les dagues, c'est quand même pas mal. Hein. Eh non, mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est franchement pas mal. Hein. Oh, un shuriken, mais j'ai plus la place. Je n'aurai plus la place. Je n'aurai plus la place. Tum. Je n'aurai plus la place. Plus la place. Je sais pas comment le mettre, mon shuriken. Ah mais si, attendez, il y a la place. Ah mais non, il n'y a pas la place. Je vais le mettre là. Et après, ça va être la merde pour le. Ah merde, 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 merde. Je le mets là. Ah, je l'ai pas mis au bon endroit, je sens. Cette case-là, là, je l'ai rajoutée, elle sert à rien. J'ai été bête. J'ai été bête. C'est bête d'être bête.
C'est drôlement bête. Oh non, mais quel dommage. Ou alors sinon j'enlève une dague. J'en enlève juste une. Allez, c'est bon, prends une décision une fois dans ta vie. Allez. Allez, donc là c'est bon en principe. Attendez. J'étais con là. Parce que là je fais ça. Non, c'est bon. J'ai eu peur que ça serve à rien. Voilà, et là je peux remettre ma longue vue. Voilà, et du coup il rebondit. Il rebondit deux fois. Attendez, est-ce qu'il rebondit deux fois ou... Ah non, il rebondit deux fois pour lui. Lui rebondira deux fois. Attendez. Ah oui, du coup, lui deux fois. Lui trois fois. Lui deux fois. Oh là 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 là, c'est classe. Oh là 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 là. Et après, il faudra en mettre un dernier là. Et là, ce serait la fête. Ce serait la fête. C'est la fête. Est-ce que je me rajoute un Ring of Power qui diminue la vitalité? Peut-être pas non plus pousser le... Ouais, non. On a vraiment envie de mourir, en fait. Ah, mais ma vitalité, elle a moins 10! Pourquoi elle est à moins 10, ma vitalité? J'ai moins 10 d'armure. Ah, mais c'est pour ça que je prends cher à chaque fois. Ah oui, c'est vraiment la... Je suis un peu berserk, en fait. Bon. Non, faut qu'on trouve autre chose là. C'est quoi ça? Move speed. Oh non, pas du move speed en moins. Ah, par contre, j'ai ça que j'aurais peut-être pu. Ça fait quoi ça? Il est meilleur? Il est meilleur. Allez, je vends ça. Et je mets ça à la place. Ah, du coup, il a un bonus. Donc, il rebondit 4 fois celui-là. Oh là là, génial. Allez. Bleu c'est mieux. Quand c'est bleu c'est mieux. Regardez ça, ça y est, le bleu, c'est bon, là on a le shuriken dans la peau. Oh! Meilleure arme du jeu. J'ai failli avancer dessus, hein. Je suis un petit peu innocent et dangereux, des moments impudents plutôt. Pourquoi j'ai envie d'avancer sur des choses dangereuses toujours. C'est quand même curieux. C'est quand même curieux cette histoire. Là j'ai rien à faire. J'ai rien à faire. Ah c'est trop bien. Allez c'est bon. Fastoche, Loloche, Fastoche. Et salut Nargasse. Comment tu vas? On se voit tous du coup lundi il paraît. Hein. Il y a un truc. C'est loufoque. C'est une histoire loufoque. C'est tout ce que je sais. Où est-ce que je les mets mes cases? Où est-ce que je mets mes cases? Ah mais non, c'est con ce que j'ai fait encore. C'est con. C'est con. Ou alors je fais ça. Ah merde. Non, c'est con ce que j'ai fait. Ah, remarque, je vais faire ça. Je sais pas qui est le quatrième, j'ai mon soupçon, mais je me garde la surprise. D'accord. Une petite hache, là, ça aurait pu être pas mal, mais bon. Ah, et bon, on m'appelle pour aller manger, forcément. Le meilleur moment pour aller manger. Bah, le meilleur moment, c'est le moment en même temps, c'est à 20h. Hein. C'est tout le temps à 20h. C'est à 20h. C'est à 20h. J'ai l'impression d'avoir eu une moitié de week-end, j'en ai marre. Parce que demain, on est dimanche, et demain, je dois me lever tôt pour aller à une assemblée générale de l'association. 9h30 à dimanche, quoi. Merde! Merde, monsieur, c'est scandaleux! Je suis outré.
Je suis outré. Je suis outré. Les mots me manquent à quel point je suis outré. Vous rendez-vous compte? Je vais me remettre une dague comme ça parce que il faut des. Voilà. Là, on a des bonus de dague. Donc il faut en profiter. Après, ça serait top si j'arrivais à un moment donné à me mettre là un shuriken là. Alors là, ce serait le feu. Là, ce serait le feu. Et en attendant, peut-être un peu d'armure quand même. Ah, d'armure, on est à moins 10. Si je fais ça, j'aurai moins d'esquive, mais plus d'armure. Voilà. Bon, on va s'arrêter là du coup. Ouais, hein. Bah ouais, hein, bah ouais, parce que bon. Par contre, je peux pas sauvegarder. C'est chiant ça. On est sur une démo en même temps, mais. Si je fais. Attendez, si je fais ça. Ah non, si je fais ça, si je fais main menu. Oh merde! J'aurais pas dû, je voulais juste tester pour voir. Et ben voilà. Vous aurez vu comme ça un peu à quoi ressemble ce jeu, cette démo de God of Weapons. On n'aura pas testé The Hunter, mais je l'ai fait en off. C'est la classe la plus simple, hein, parce que lui, il porte des arbalètes, toutes sortes de choses à distance, mais surtout des arbalètes. Et c'est de l'arbalète à répétition, hein. C'est du Van Helsing arbalète. C'est un des plus sympas. Après, lui, avec les shurikens, j'ai l'impression que c'est pas mal aussi, hein. Chacun à sa façon peut être puissant si on comprend. Bref, eh bien, je vous remercie pour votre compagnie, mes amis. Si je fais échappe, ça ne marche pas, mais il faut imaginer que ça marche. Merde, ça marche pas. Je peux pas revenir derrière? Eh ben, moi, je voulais vous mettre sur le menu principal, mais le jeu a décidé que ça n'était pas une. Merde, je peux pas. Je peux. Bon, bah, je vais faire Alt F4 alors. Hein. Je vais juste essayer de redémarrer le jeu pour vous mettre sur le menu principal. Oh là là, mais quel enfer. Merde, il est où? Vite. God of Weapons. Terrible. L'association des jouteurs des mots. T'en es le président? Ouais. Non, ça pourrait être le cas. C'est malheureux, mais ça n'en est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Ah mince, et si je fais ça, la musique se coupe, c'est terrible. Sur ce, les amis, merci encore pour votre compagnie. On ne le dit pas assez. C'est un écran noir, mais qui va devenir un écran de jeu. C'est super. Pierre and go, Azucorps, Horus, Jérémy, Kitty Pipou, Line, Nargas, Olaf le Flibustier, Sweet Short, Steven peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous êtes un bot, monsieur. Si vous avez deux genoux, je vous apprécie. Si vous n'êtes qu'un bot, je vous apprécie moins. Et bah, je vous dis bon appétit, peut-être à toute allure. Je vais manger, que les gens font quand ils dînent. Et peut-être à toute allure. Peut-être. Tchuss! Merde, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ah bah non, ça marche pas. T'es en QWERTY.